Bonjour et bienvenue dans les tutos de Soso. Alors aujourd'hui on va revoir ensemble les parties du filet et après on va voir comment on met le filet. Alors pour les parties du filet, ici en haut vous avez la têtière. Ici la partie qui passe sur le front du cheval, c'est le frontal. De chaque côté vous avez les montants du filet qui relient l'anneau du mors au filet, ici et ici. La muserolle, donc ici c'est une muserolle croisée sur ce filet là, c'est la partie qui est ici, avec le noseband et de chaque côté les montants. Vous avez ici le mors, ensuite les rênes qui vous servent à diriger le cheval et enfin la partie qui passe sous la gorge, la sous-gorge. Pour mettre le filet, vous allez commencer par passer les rênes au-dessus de la tête du cheval, vous faites attention de ne pas attraper les oreilles en passant. Ensuite, on va partir du principe que le cheval est attaché. Donc, il est attaché avec la longe. Donc, quand il est attaché, vous allez ôter le licol. Hop, lui passer autour du cou. Comme ça, le cheval reste attaché en toutes circonstances. Hop. Alors, ensuite, je vais vous enseigner, moi, ma méthode, comment je fais pour mettre le filet. Donc, je commence, je viens attraper le toupet du cheval. Avec le toupet, avec mon pouce, pardon, je vais faire un crochet pour mettre la têtière. Donc de cette façon, comme ça, j'ai ma deuxième main qui est libre. Et de cette manière-là, je suis disposée à lui présenter le mors. Donc je monte le mors, je présente le mors à la bouche de mon cheval. Je vais, si besoin, insérer le pouce au niveau de la bouche du cheval, là où il n'y a pas de dents. Instinctivement, le cheval ouvre la bouche. Et en même temps que le mors rentre dans la bouche, je vais relever mon pouce vers le haut. Comme ça, le mors reste dans la bouche du cheval. D'accord ? Ensuite, j'ai plus qu'à passer une oreille sans tordre les oreilles. Je pousse les oreilles vers l'avant. Hop. Je me décale de l'autre côté et je viens mettre la deuxième oreille. Hop. Donc là, je vérifie que rien ne le gêne dans les yeux. Et ensuite, je repasse de l'autre côté et je vais venir fermer donc la muserolle en passant sous les montants du filet de chaque côté. Je viens raccrocher ici. Je vous expliquerai ensuite comment régler correctement la muserolle, la sous-gorge et les montants du filet. Hop. En dessous, le noseband. Donc là, ça passe en dessous du mors. De chaque côté. Hop. Et la sous-gorge. Alors, la deuxième méthode, on commence pareil. On passe les rênes au-dessus de la tête du cheval. Hop. Ensuite, avec la main droite, on vient tenir le chanfrein du cheval et le ramener un petit peu vers nous pour être plus à l'aise. On va présenter le filet, on fait attention que chaque partie soit bien de chaque côté du cheval. Hop. Et on va présenter le mors. On lui met dans la bouche. Alors, si c'est un peu difficile, on continue, on chatouille la langue. Hop. Quand il ouvre la bouche, on remonte en même temps la main pour que le mors reste dans la bouche. Ensuite, avec la main droite, toujours vous allez prendre l'oreille droite et vous allez l'avancer, mettre le filet. Hop. Et ensuite, la deuxième oreille. On fait attention au toupet, de bien dégager le toupet. Et pareil, on vient finir, on ferme la muserolle en vérifiant que c'est bien de chaque côté sous les montants du filet. La sous-gorge également. Et enfin, le noseband sous le mors. Maintenant, on va vérifier que le filet est bien adapté au cheval. Vous avez plusieurs points à vérifier. Alors, on commence par la sous-gorge. La sous-gorge, vous devez pouvoir passer un point fermé entre la gorge du cheval et la sous-gorge. Donc là, c'est le cas, donc très bien. Ensuite, au niveau de la muserolle, vous avez deux choses à contrôler. Déjà, qu'il y ait deux doigts à plat posés entre l'apophyse zygomatique, donc l'os ici, et la muserolle. Donc ici, c'est bon. Et vous avez un deuxième point à vérifier, c'est au niveau du serrage, vous devez pouvoir passer vos deux doigts pareils, donc cette fois à la verticale, entre la muserolle et
le cheval. Troisième point à contrôler, le mort. Vous devez avoir un pli ou deux au niveau de la commissure des lèvres, ici. Il ne faut pas que ça soit complètement tiré vers le haut, ni complètement lâche. D'accord ? Donc ici, vous pouvez voir, il y a bien les deux plis à la commissure, donc c'est bon. Vérifiez également de l'autre côté. Au niveau du noseband, la dernière partie, pareil, il ne faut pas que ça soit serré, trop serré. Il ne faut pas que ça empêche la respiration du cheval. C'est juste une aide pour éviter que le cheval ouvre un peu trop la bouche. Donc là, vous voyez, j'ai largement de quoi passer. On pourrait même resserrer un petit trou éventuellement. On va refaire le point du coup maintenant sur les parties du filet. Maintenant que c'est sur la tête du cheval, c'est un peu plus facile. Donc ici, à nouveau, vous avez la têtière qui passe derrière les oreilles sur la nuque du cheval. Ensuite, ici le frontal qui passe au niveau du front du cheval. De chaque côté qui relie à l'anneau du mort, vous avez les montants du filet. Ici, les montants de la muserolle. La partie ici sur le bas du chanfrein, vous avez la muserolle avec le noseband. C'est une muserolle croisée. Et enfin, ici, la sous-gorge avec bien sûr les rênes et le mort. Alors maintenant, on va finir. On va voir comment enlever le filet du cheval. Donc, on recommence pour l'attacher. On passe le licol autour de l'encolure du cheval. On le referme. On part toujours du principe que le cheval est attaché. Hop. Donc ensuite, vous allez commencer par défaire la sous-gorge. Hop. La muserolle. On ouvre bien la muserolle. Ensuite, le noseband. Hop. Donc enfin, vous allez tenir et les rênes et attraper la têtière entre les deux oreilles. Et vous allez partir vers l'avant. Hop, toujours dans le but de ne pas plier les oreilles du cheval. Une fois que c'est là, il ne s'agit pas de relâcher trop vite, de descendre trop vite la main. Il faut faire doucement pour pas que le mort vienne taper dans les dents du cheval. Donc on descend doucement. Hop, voilà. Une fois qu'on a enlevé le filet, on n'oublie pas, on remet le licol en entier sur la tête du cheval. Hop. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer en commentaire ou par mail. Et à bientôt dans un autre tuto de Soso.